Next, an artist recently named Entertainer of the Year by the Alberta Recording Industry. Crystal Plamondon plays a mix of zydeco, traditional French music, country, and the blues. Down in Louisiana, her fans call it Snow Cajun. Here she is, backed by a group of some of the hottest players in the West, Crystal Plamondon and Rendezvous en Louisiane. Don't go away. We've still got Bev Elliott, Steve Warner, and Mark O'Connor.
c'est la chanteuse Crystal Plamondon qui a clôturé la soirée d'élection. Sur ses refrains en français, les Franco-Albertains venus offrir leur appui à Nancy Bitkowski se demandaient ce que le règne de Ralph Klein allait signifier pour eux. Ralph Klein qui a affirmé durant la campagne qu'il n'appuyait pas les écoles francophones ni la gestion scolaire. La CFA n'est pas optimiste. Pour elle, Ralph Klein signifie la mort du projet de loi 41 sur la gestion scolaire. Je pense qu'il y a quelqu'un du ministère de l'Éducation qui est passé à côté de moi ce soir et qui m'a dit « Bill 41 is dead ». Je pense que c'est assez clair. C'est la mort du Bill 41, probablement sous la forme qu'on l'a connue. On espère qu'il va revenir sous une autre forme où il n'y aura pas de modifications trop importantes. Selon Jim Denning, c'est le nouveau cabinet sous la direction de Ralph Klein, puis le caucus, qui décideront du sort de la gestion scolaire. Le ministre actuel de l'Éducation demeure confiant qu'une majorité de députés conservateurs appuie toujours le projet de loi. Jim Denning, ministre ou non de l'Éducation dans le nouveau cabinet de Ralph Klein, dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le projet de loi soit adopté. I will be a member of caucus and proudly standing up on behalf of all Albertans, including francophone Albertans. Ces paroles ne rassurent pas la CFA. Son président, Denis Tardif, devra attendre les prochaines élections provinciales pour passer à l'offensive. L'association pense appuyer le Parti libéral. Elle avait mis tous ses espoirs dans le Parti conservateur uniquement à cause de Nancy Bitkowski. La CFA pense maintenant que Lawrence Decor sera un bien meilleur allié. Le Parti libéral sera certainement plus ouvert à ces questions-là. Et puis, il va falloir quand même voir. Il y a du travail à faire avec le présent gouvernement avant d'aller trop vite. Le vice-président de la CFA, Marc Arnall, ajoute qu'il faudra sans doute retourner devant les tribunaux. Et s'il faut, bien, on prendra les grands moyens. Ça va être le retour à la Cour suprême. Ça va être la construction d'écoles par la communauté francophone elle-même, en commençant par Plamondon. Entre-temps, la CFA veut rencontrer Ralph Klein ainsi que le ministre de l'Éducation pour leur rappeler que les Franco-Albertains attendent toujours et qu'ils sont fatigués d'attendre. Isabelle Ferland à Edmonton. Le nouveau premier ministre Ralph Klein a tenté d'adoucir aujourd'hui sa position sur la loi sur la gestion scolaire. M. Klein a dit aujourd'hui qu'il ne s'opposait pas au projet de loi ni aux écoles françaises. En fait, il dit qu'il comprend. Il a été engagé par la direction du Parti conservateur. Chose intéressante, au début du spectacle, un représentant du parti a demandé à Crystal de ne pas chanter en français. Il dit, tu chanteras pas trop en français, hein? J'ai dit, ben, t'as déjà vu mon show? Il dit non. Il dit, ben, j'attends, tu dis, c'est vraiment bon. J'ai dit, ben, comprends-tu que mon show est quand même 80% en français? Il dit, ce soir, tu peux faire juste en anglais, si t'as pas assez, tu peux juste les répéter. Ça n'a pas empêché la chanteuse d'interpréter quand même son répertoire dans la langue de Molière. La minute que la musique commence, les gens se feraient en français ou en anglais. Puis comme ça, j'ai juste fait mon show régulièrement. J'ai commencé en anglais, j'ai fait, je pense, 3 tunes en anglais juste au début pour les assimiler un petit peu. Puis là, j'ai continué en français. Plus de 3000 personnes ont participé au congrès au leadership. La salle où avait lieu la soirée à l'Agricom était bondée. Oui, ce soir, je pense qu'il va gagner. Nous sommes assez confiants, on peut être dans les politiques. At this point, Mr. Klein has almost 59% of the vote. Ms. Bitkowski with approximately 40% of the vote. La tendance n'est pas très favorable, donc... Très inquiet à ce moment ici, oui. Moi, je suis très contente parce que je pense que M. Klein a des excellentes qualités pour devenir le premier ministre de la province. Pour Ralph Klein, 46,245. Alors, je ne peux pas être mieux que heureuse et
complètement heureuse. Je n'étais pas surprise du tout. Je savais qu'il était le meilleur candidat. Je pense que c'est une surprise pour elle et pour toutes les personnes qui ont supporté elle, mais je pense que maintenant, c'est très important que toutes les personnes rallient avec M. Klein. Et c'est important que toutes les parties aient unifié.